Maïdor Bokwala, les Brésiliens Djile Kouyaté. Maïdor Bokwala, Congo Power Media. Power Media. Lianjali Sofote. Congo Power. Tu dis Power. Avec Maïdor Bokwala. Pour une information, il y a un Congo Power. Maïdor Bokwala. On est là. Jeune Bogar. Je n'avais pas fait des provisions. Lianjali Sofote. Bonjour, bienvenue chez Aïdor Show, une émission qui est présentée par moi-même, votre humble serviteur Aïdor Bokwala, l'international, les Brésiliens, comme les autres m'appellent. Nous sommes bel et bien en Afrique d'ici, de précisément dans la ville de Johannesburg, quand votre émission aux abonnés Aïdor Show, Naripouk Nabiso analyse. C'est une émission à laquelle votre Aïdor Bokwala, Salarabomba, analyse personnelle à propos de l'actualité, aux eaux dominées sur Internet, sur les réseaux sociaux. Donc je profite déjà de cette occasion pour vous souhaiter un bon dimanche, parce que nous sommes le dimanche. Donc un bon dimanche partout où vous êtes, à l'heure à laquelle Bourlanda Bissot, bonjour, bonsoir. C'est votre intention Aïdor Bokwala, les Brésiliens. Nous sommes scotchés et captés sur notre site Congo, www.congoparamedia, dans notre channel www.congoparamedia. Donc talaga si vous avez la TV, tout à la téléphone, au moins est-ce qu'on va s'abonner, s'il vous plaît. Abonnez-vous massivement. Au moins en anglais, puis va comment subscribe pour en anglais. Donc subscribe kaka, comme ça au rataka news mon côté tout pour le rataka. Analyse mon côté Aïdor Bokwala, les Brésiliens. Je pense que tous nous connaissons. Étape au tout sur les canaux, les loya en pandémie aux dominés Mokilimo Bimba, ils avons coronavirus COVID-19. Oh, yo, presque partout à travers le monde, tout ça confiné, toujours bien matin à la palais. Au moins, nous, on essaye un peu de vous donner des actualités, des informations à propos de ce qui se passe actuellement partout à travers le monde, des actualités, surtout beaucoup plus qui concernent nous, les Congolais. Donc, vraiment, votre Aïdor Bokwala, les Brésiliens, partout où vous êtes, nous devons toujours tout respecter la mesure d'hygiène. Tu sais, boyer, un mètre à distance pour éviter propagation. Il y a locaux habiter des accolades. Vraiment, ceux qui sont bundi, respecter ma mibé. Je pense que pandémie au TP virus au coronavirus, au tika bon au panza na topé au tika pe au bomba oyo. Et au bomba biso ba au tika liba au pe déjà ba perdre ba vie na bango. Je présente mes sincères condoléances à toutes les familles au ba perdre bande qu'on a bango na pandémie à COVID-19 na virus oyo. Vraiment, on est de cœur avec vous, on est de cœur avec vous. Et na biso pe na nous esu biso pété tout mi bate la. Restons tout seulement à la maison, restez vraiment chez vous à la maison. Si na ngonga oyo OMS stoppé Moka Obozali va couper sa mitine de Bobima, mais à Tabobimi, vraiment faut jamais oublier de porter vos masques, c'est très important. Babiso qui omibatelité mutorobatelo musoazate. Donc à part Nzambe yomozap maître ya vina, donc protégeons-nous et restez chez nous à la maison pour sauver ta propre vie et pour sauver des vies. Merci beaucoup. Je pense que la fois passée tout ça qui bon analyse concernant Fali Poupa et Ferregola. J'avais eu des remarques, j'ai reçu des appels. Les gens m'avaient appelé de partout à travers le monde. Aïdor Bokwala, vraiment, on a compris. Et à ces gens-là qui peut-être ne comprennent pas, l'initiative via émission Nanga Oyo, Topé Concept Nango. C'est une émission à laquelle Naya Pona Jugé Batouté. C'est une émission appelée ça la point de vue personnel. Quand je parle de point de vue personnel, par rapport au tout le monde, parce que tout le monde a réalité, tout le monde a. Et puis, sous des recherches, je vous vois un peu, vu de recherche, tu vois, réellement, parce que dans la salle émission pour le plaisir de venir devant vous comme ça en train de parler, sans pourtant voir de preuves. Donc dans la salle rappelle tout dans la salle de recherche, dans la salle preuve, oui, pour ça, on a peut-être un peu de temps avec une confidence dans le monde. On a fait ça bon news aux autres concernés, à propos de on va tenir le monde. Déjà, pour tenir la guerre, tu as une façon de comprendre, tu as un confinement, il y a
pas de quoi faire, ça nous a fermé donc. Il y a moins d'argent là-bas, d'accord. Donc, bon, get on easy quoi. Non, on est ensemble. Déjà, big salutation comme ça à Jim Bella au Vitesse Ajobourg. Il va nous suivre. Merci pour l'initiative, pardon, d'avoir pensé aux femmes, aux mamans, ou la communauté congolaise. Et moi, quelques blocs, ça qui voilà vraiment. Ça montre vraiment que vous avez un cœur. Donc, encore une fois, félicitations à King Zombie. Encore une fois, félicitations. Donc, nous avons un moment où très difficile, il y a des autres qui souffrent réellement, qui manquent même à manger. Donc, si vous allez manquer quelque chose, vous pensez dans la bande de Konayo, et my God will bless you, et my God continue to bless you guys. Aujourd'hui, j'ai bien voulu qu'on puisse parler de cette affaire d'Eliane Befen et notre pasteur chantre de Dieu, Moïse Mie. Je pense que, pour tenir la regarde, je dis que je répète encore, ce sont mes propos, ce sont mes analyses personnelles. N'a pas recherché, n'a qui paradoxé vraiment Eliane Bafenoté, n'a Moïse Mbié. Mais aujourd'hui, au moins, je me suis décidé, je peux parler, je peux donner mon point de vue, étant qu'un homme qui a de serre, étant qu'un jeune, étant qu'un journaliste d'investigation, je peux aussi contribuer, ou je peux aussi donner mon point de vue à ce qui concerne ces dossiers de M. Moïse Mbié et Eliane Bafeno. Je pense que le début de ces dossiers, ils ont été le collab à ventir. Eliane Bafeno avait eu le courage, Yako Bima, après avoir regardé les images ou bien la réaction de notre sœur Péniel, l'ex de M. Mike Kalambay. Et quand Peignel la télé maga comment il revendiquait le droit d'être une femme, et par là on avait aussi vu, Eliane Bafeno avait posté sur son Instagram, elle a des choses à parler, elle a envie de sauver des âmes, machin, machin. Nous tous nous connaissons super bien comment l'histoire a été commencée. C'était auparavant le coup la ventille, c'était auparavant comme un joke, mais tout en anglais, c'était auparavant. Il aurait le remous à bâger, mais les choses devenait sérieux du jour au jour. Au moment où nous vous parlons, les choses sont très sérieuses et graves même. Nous tous nous connaissons super bien parce qu'ils ont affaire à Betassou, Yorbomba, les sociétés. Parce qu'Eliane passe à chaque fois dans des émissions, dans des télés, machin, machin. Nous connaissons super bien l'histoire. Ce qui m'a poussé aujourd'hui de passer devant vous, de parler de ces sujets, de ces dossiers, de cette affaire d'Eliane Bafeno et Moïse Mbié, et ça, vu une émission qu'Hélène Bafeno Salaki a sur Sala récemment à Kalamingité avec notre confrère. Vraiment, c'est une très belle émission. Encore une fois, je félicite le monsieur. Vraiment, vous faites très bien votre travail. Franchement, vraiment, émission là très bien avec des questions bien réfléchies. Pardon, et c'est par rapport à cette émission qui m'a poussé maintenant. Il y a les calibres, on a bien opé, il y a sa point de vue. Parce que, dans le temps, dans l'émission, on a du début à la fin, le coup, on a zobaté, le coup, on a zobaté, Je pense que chacun de nous a compris de sa façon. Ok. Tout ça, on a décidé de s'y aller, Bafenona, Moïse Mbié. D'abord, premièrement, je présente mes sincères condoléances à toute la famille Mbié. Ou à tout le monde, à mon frère, vraiment, nous sommes de cœur avec vous. Mes sincères condoléances. Je dis et je répète, je pèse bien mes mots. Je suis venu ici, non pour Moïse Mbié, non pour Eliane Bafeno. Je ne connais jamais Moïse Mbié en face. Je n'ai jamais connu Eliane Bafeno, n'étant là-bas à la TV. Mais aujourd'hui, je parle étant qu'un individu, un citoyen congolais qui donne son point de vue à un dossier qui est public. Parce qu'il y a un dossier public, mais tout, aïe bien comment ça se passe aujourd'hui dans Internet. Il y a des abuses pour l'instant. Il y a un enferme, il y a Vitel Kamer. On va aussi en parler. Prochainement. Quand on a l'émission, il y a Eliane Bafeno, et pas journaliste, pas mon confrère journaliste, ou les quelqu'un des avocats. Par là, j'ai vite compris les dossiers. Banda, comprend les dossiers. Mais quand l'émission est en salle, il faut comprendre directement niveau, il y a dossier, les alliés. Dossier Oyo, il y a affaire, il y a Zoua. Dans le bango, il y a analyse personnelle. Je dis bien, je pèse mes mots. Moutatindingate, ni Eliane, ni Moïse Mbié, mais Aïdor Boukouala donne son point de vue dans le dossier Moroboué. Au Péga, Ndegibino Boutala, Ndegibino Talarango. Les affaires Yazoua, et puis à part affaires Yazoua,
C'est un dossier d'aller voir un film à Nigeria. Autrement, on a un film à théâtre. On a posé Eliane une question. Comment était la rencontre d'Eliane Bafeno et M. Moïse Mbié, Pasteur Moïse Mbié, si j'ai bien pesé, à lui mettre dans sa place. Moïse Mbié na Eliane Bafeno, koutana nengene. Eliane Bafeno l'a bien dit, raconte na yena Moïse Mbié, c'était au canal de Christian. Qui est Christian? Il met ça en question. Christian, c'est la première personne où approcha Eliane Bafeno pour proposer à Eliane Bafeno d'être sa petite amie. Le monsieur Christian a la question. Christian, né à Mona Moïse, à Mona Eliane Bafeno Liboso, a approché Eliane Bafeno. Abi Eliane, na sepeli nera to linga basi, na sepeli na yo, tu es très jolie, tu es belle, ceci, cela, loba, singa loba. Et j'ai envie que tu sois ma copine. Et Eliane a accepté. Ils ont commencé maintenant à vivre avec Christian. Nez à la raga, au vivre, na jomo obwe, jongo, aza na relation, une très bonne relation, na star moro obwe, na un boss, si je vais utiliser le terme, qui est Moïse Mbié. Et le Christian en question a proposé na copine na ye, Eliane, tu dois aller voir, venanga na utiliser le terme, biso bayanke, venanga to prêtre, venanga to pasteur na biso, comme ça, koute, na ye nez à la raga, le quoi, to komi na ba niveau mo obwe, na tozan ma relation sérieuse. Faut mon pasteur, n'ayez mon esprit là, ça me l'a comme ça. Tu auras le temps de discuter avec mon pasteur. Il peut te produire des conseils, machin. N'ayez le baki, je ne sais pas, mais je pense que c'était la façon. Donc, le monsieur Christian. Et Christian a ses Eliane en contact dans Moïse Mbié. Non, que à quel moment Eliane, qui n'est pas dans Moïse Mbié, mais Christian a ses Eliane en contact dans Moïse Mbié pour dire à Eliane, allez voir mon pasteur. Parce que il n'est pas papa, ce qui est ça qui tout bas un jour dans la vie, c'est lui né à Kobenissa, mariage Nabiso. Vous voyez un peu. Elian, là, ce sont des propos. Et où tu as mon Elian, je n'invente rien. Parce que ceux qui ont envie regarder l'émission, je pense que bon, comprendre ma mon azo loba, au bout de la kia. Au bout de la pété, ce qui YouTube au Kananaki, je vais balancer un peu les images, vous allez comprendre de quoi je parle. Elian est allé voir M. Moïse Mbié, celle sans Christian. D'autres termes, moi je dirais, dans toutes ces choses, tout ce qui passe aujourd'hui, Christian est trahi par Eliane et Moïse Mbié. Pourquoi? Christian avait confiance à Moïse Mbié étant que son pasteur, et Christian avait confiance à Eliane étant que sa copine, ou à qui à la pasteur. Quand Eliane est arrivée chez Moïse Mbié, selon ce propos, elle était arrivée chez Moïse Mbié, étant que la copine de Christian, elle est venue voir les pasteurs de Christian. Mais comment tu peux aller voir le pasteur de ton boyfriend, ou de ton compain, et subitement les choses changent, le pasteur de ton compain est devenu la personne à laquelle, à l'homolio Zemi, a violé à l'âge de 17 ans, à Salao machin. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé quand Eliane était allé voir Pasteur Moïse Mbié? Est-ce que Pasteur Moïse Mbié était-il au courant que Eliane Bafeno était la copine de Christian qui est son pire petit et mon confiant, selon Eliane? Est-ce que Pasteur Moïse Mbié a-t-il trahi M. Christian en couchant avec sa copine? Est-ce que Eliane Bafeno a trahi M. Christian? Yakobima, na pasteur, yakopenae. Ce sont des questions à laquelle qui m'a poussé à parler aujourd'hui. Et je y ai réfléchi 6600 fois, 9000, 10000 fois pendant la nuit quand j'ai suivi l'émission. Je me suis dit poto ya modèle ndengini. Et tant wa komiba monsieur Moïse Mbié. Si je comprends bien l'histoire, les choses ont changé. Eliane Bafeno komi pa ya Moïse Mbié ba lingani na bango na Moïse Mbié or que akendaki na mission ya kulingana Moïse Mbié te. Elle est tombée amoureuse de Moïse Mbié et Moïse Mbié aussi est tombé amoureux de Eliane Bafeno. Pendant que Christian savait que sa copine a quelque visité pasteur na ye. Bota sika potopote bandi na dossier ya Moïse Mbié na Eliane Bafeno. Bota le sika potopote bandi. Dans tout ça, je peux dire quoi? Je vais développer un peu mon cas.
Je peux dire, dans la vie, il y a des choses autolukaka et apprécier bah résultat dans mouya kana filtre. Par là, j'ai compris quoi. Eliane Bafeno aza mwasi mwaboué ayoka sango ya Moïse Mbie et elle avait l'occasion de voir Moïse Mbie en live. Et là, je dis pas toutes les filles congolaises, mais 80% des filles au bas prière, c'était Bethel rêve na bango zababa na Moïse Mbie. Et Eliane Bafeno pour elle, c'était une occasion pour elle de voir Moïse Mbie en face. Et peut-être elle s'est exprimée à l'objet signal bon amouté manaye devant Moïse Mbie. Et Moïse Mbie, pour moi, je peux dire, elle était séduite dans ma parole, dans la beauté à Eliane Bafeno. C'est ce qui cause maintenant Nisika Tozali Lelo. Est-ce que pendant que Moïse Mbie va comment combiner Eliane Bafeno, est-ce que Christian était-il au courant? Question mark, point d'interrogation. Et si Christian était au courant que Pasteur Abotola et moi, si on a présenté qui est. Quelle était la réaction de Christian envers Pasteur et avec Eliane Bafeno? Point d'interrogation. Eza poto poto. C'est un dossier au sentir niveau église et bon bah secret, que les rebours d'orchestre à ma maison, même que les cabas BCBG. Il y a des choses qui sont pires dans l'église. Oh, on est dans l'orchestre, il va faire ça dans ma paix. Dossier Eliane Oyo. Ça révèle plein de choses qui se passent dans les églises. Je ne suis pas pour Eliane ni pour Moïse Mbie. Dans la on a fait on a ya moi c'est petit na yo a présenté yo au comme bimana yé surellement bobimana yé si quoi quelle était la réaction de ton petit ou à même là qui au copain na yé copine na yé beaucoup tané bosoula. Est-ce que pendant que Moïse Mbie selon des propos d'Eliane bah ça les 4 ans avec Moïse Mbie pendant ces 4 ans là quelle était la réaction de Christian? Christian a mélangé à moto dit que ah pasteur a botolé ma momie ou bien et si réellement Christian mélangé moto pasteur a botolé ma momie pourquoi après tout ça Christian a quelque chose qu'on proposait Eliane bague à fiançailles et pendant que Eliane selon elle couchait avec Moïse Mbie et Balongola Bazemi après tout ça ben qu'on proposait sous bac pas mobile au yobozala kanayo à la guise au pasteur. C'est un dossier qui est très sale spirituellement d'abord. Dans une église, ce genre de choses, si c'est vraiment vrai, ça fait très mal au cœur. Si c'est vrai, ça fait très mal au cœur. Pour dire quoi? Moi, selon mon analyse personnelle, je peux dire Christian est trahi par son pasteur et par sa copine. Par sa ex-copine, pardon. Parce que elle avait fait confiance à Eliane. Il a remis pas Moïse Mbie et il avait fait et pardon il avait fait confiance pardon à Eliane. Il a remis pas à Moïse Mbie, il avait aussi fait confiance après ça confiance dans Yesusu na pasteur Moïse Mbie. Il a remis ma copine et moi je pense que dans tout ça c'est Christian né à mériter disappointment. C'est tout en anglais. I'm sorry pour comprendre vraiment anglais comme à trop en français comme ça. Des appointments, donc déception et pas copine naïve, n'est pas pasteur naïve. Si quand on que non sur le fait, viol à l'âge de 17 ans, avortement foxé sous la drogue, de madame Mireille Mokeni. Selon des propos de Eliane Bafeno Arono. Tout ce moment, nous avons dossier à la beginning un peu. Pendant 4 ans, tout ce moment, nous avons affaire à. Pendant que Moïse Mbie vivait avec Eliane Bafeno, pendant le contrat, il y a un Eliane Bafeno. Confirmé selon Eliane Bafeno. Eliane avait 17 ans. Une fillette de 17 ans qui était en relation avec une star comme Moïse Mbie.
avec un patron comme Moïse Mbié, avec un grand pasteur. Il y a un mot qu'on a mis comme Moïse Mbié à l'âge de 17 ans, selon les propos d'Eliane Bafeno. Bah vivre en abango, on a 17 ans, on a 18 ans, 19 ans, bah vivre en abango, bah vivre à bah vivre à bah vivre à bongo. À Zuzemi, avec Oipsa Moïse, Moïse a dit non. Et si Maté, nouvelle désagréable, parce qu'il y a une personne, c'est l'un des propos de Madame Eliane. Et je ne sais pas où et comment, et pour ça qu'Eliane battait les drogues, à combattre à niveau à se retrouver dans l'hôpital, moi à Longwe. Pendant qu'Eliane était enceinte, parce que j'ai moi à 17 ans, j'ai dit moi si oyo. La première chose qu'elle va faire, c'est quoi? C'est aller voir ses parents. Soit remarier comme les amis. Avant, ils s'amouraient Zimbi. Soit ben magagne n'a pas sa bolingoana. Elle allait partir premièrement d'abord chez ses parents. Papa, ni nazabu ni nazana zemi. Regardez ceci, le monsieur Moïse Mbié a tenu. Je ne pense pas qu'il y ait comme un niveau de coyote et truc balon la zemi. Moi, ses parents, ben là, basala au courant. Depuis que notre enfant a la zemi, ce que le goût m'a bien lié. Mais pourquoi Eliane avait-elle gardé la secret? Il y a eu sa papa propre parent a été que Azan a zemi à Moïse Mbié. Azela kato makambo baby, ne a tenu comme un parent que la longue la zemi sous la drogue. Allez-y un peu imaginer l'histoire. Ils ont moins clarté, ils ont vraiment clarté sincèrement. Pourquoi tant aux Zemi au Québec comme ça va parler en haut? Attends pire, yo mon côté ben que yo zaki na Zemi à Moïse Mbié. OK, ça Moïse Mbié non, je suis enceinte, habi que non, news mort désagréable. Après je sais pas comment batako drogue on a masanga, batako on a foufou, batako on a na secret. On s'est retrouvé na hôpital, malongo li aux Zemi, au comme régler 4 fois selon des propos là. Kaba propos Eliane. T'as bien dit. La chanson yo yo bolingo nanga a été dédiée. Et pour na yo, donc ba yembe la yo nzembo wana. Donc tu y barate. Nzembo ye yo yo, selon ba propos na yo, ba yembe la ngoyo. Kaka yo mo onobi ki nzembo ye yo ba yembe la yo, onobi susuke, Moïse Mbié a pesa yo 10 000 dollars parce que au sala ki moussa non na clip ya ye yo yo, parce que au travail ya ki na clip yo wana. Comment une chanson qui a été dédiée ya une moutou, ba foutre le soumbon pour ta na clip yo wana. Au moins, tek bon moussa wotu lwa ba na mike. Nengi fab ka salemba tiri ali nonae nengi ko tsake na clip nengi mama amazon ba yemba e pa papa pa wemba ba tsake na clip ape wemba zo sumbongo afuta mama amazon po ko tsake na clip nzembo ba yembi e moko ma sœur et puis atako ba futa ngo nanu na mona te figurante to figurant dans na clip ba futa e 10 000 dollars ça n'existe pas atana ba agence. Na sa media, na sa caméra, na sa cameraman, na sa la clip, na tournera blog et belé, na sa film mec en tout bas en anglais. Na sa réalisateur. Na yebitant ngina ko zabat na agence na bat na ba clip, oza boke na agence mo bo bazar, bazar na agence mo za en time production na run back. Pour que nous proposer ba fille ba figurant ce monde awana et comment ka voir même pas dit de 1000 dollars à wana Frédéric. Ba fille a dégâts, ya kanoki o moni mo si bo leli. Ceux qui ont des potes, des gens qui ont des filles, des clips, des filles, des filles, des filles, des 5000 dollars. Ceux qui ont des 5000 dollars, des filles. Ils ont des moutons qui ont des 5000 dollars dans la figurante de la clip. Jamais. Je ne sais pas si je me trompe. Mais dans l'expérience, on a des gens qui ont Google, des gens qui ont des na rôle nin oyo jouer pour te gars robe wana ba lexo yo yo bolingo nanga tu méritais 10 000 dollars et puis tu dis encore que tu pars plus loin de dire que la chanson a été dédiée ou bien que nzé mona ba yemango yo de preuve au petit détail ou bien que Moïse Mbié la taka veste nenge nini et puis jeune mona la taka veste nenge nini. Donc si c'était vraiment ta chanson, pourquoi maintenant au singa sous 10 000 dollars nzé mo ba yembal? Donc par là on a compris ce qui règne entre toi et M. Moïse Mbié. Dans la globalité, je peux dire quoi? Dans le dossier Eliane Bafeno. Quand j'ai suivi cette émission, directement j'ai compris une chose. J'ai compris la besoin d'Eliane Bafeno et les vrais soucis d'Eliane Bafeno. Eliane et Loko, Azan a besoin
Souci à Eliane, c'est d'abord la jalousie. La jalousie, c'est quoi? Quand je parle de la jalousie, je ne parle pas qu'elle est jalouse contre Moïse Mbi et quoi. Non. La jalousie, c'est. Quand il y a Bolingo ou à perdre, peut-être, entre guillemets, si réellement, il y a une relation avec Moïse Mbi. Moïse Mbi l'a prometté plein de choses. Moïse Mbi a prometté peut-être Bolingo. Moïse Mbi a prometté peut-être une vie meilleure. A prometté plein de choses. Et il y a Natsika, on en a tout. Elle savait que demain, elle allait être un maman pasteur. D'ailleurs, Robin Eliane Mbi, elle est dans la famille. Elle partait chez Moïse Mbi, elle voyait comment la Moïse Mbi a la fortune, elle voyait comment la famille de Moïse Mbi était. Elle a comme un dream, ou bien deux en anglais. Elle a un dream that life. Elle a comme un yémo, elle a un palais, elle a comme un yémo, elle a un cher tant que maman pasteur. Et tout cela, tant où est arrivé, et comme si on est, et comme il est mis Eliane à niveau, c'est la jalousie. Et Zakara, il est comme un ex. Tu vis avec un homme qui est riche et Mbali wana rejeté yo. Maintenant on va dire, eh, donc Dieu m'a voit qui s'est ngaï. Moi je pensais que j'allais être sa femme. Je pensais que j'allais être le maire, la mère de ses enfants. Si koyo aboyi ngaï, non. Tika la moussa dossier 1, dossier 2, dossier 3, dossier 4. C'est ce dossier de l'an Bafeno et Moïse Mbi. Et puis, laisse-moi vous dire une chose. Pour ceux qui disent qu'Eliane a besoin d'argent, non. Eliane a besoin d'argent. Eliane a besoin de détruire la carrière de Moïse Mbi. Un point. Je ne me contredis pas. Pourquoi je vous dis ça? Je suivais encore. Quand la mission, l'avocat a bien dit Abi, on avait besoin de. Comment dirais-je? Yako solo là. Un lac friend. Anglais. Toi, il y a une personne de solo là. Toi, il a besoin de solo là, pendant entre Bisso, Nankaya Moïse, Nankana Bisso, solo là, te mettre le point sur les i, te négocier. Mais Moïse Mbi est orgueil, selon leurs propos. Mais sans Zongi Kanaba et Bandeli, tu verras aussi que dans des émissions, la famille, les papas et les mamans et la maman de Liane, Baoloubaki, Moïse, Otina Route, Baoloubaki, Bisso, négocier, mais Bisso, te boy. Déjà, vous se contredit d'abord, binomo entre vous. Pourquoi Eliane n'a pas besoin de Yambongo? Mais ça ne le remonte. Pourquoi? Aujourd'hui, là, même si Eliane a 50 000 dollars, 100 000 dollars, Eliane d'abord, elle est déjà jalouse. Elle a haine à monter mané envers Moïse Mbi. Alors, quoi, comment on a copé être Moïse Mbi? Et on a vu qu'il y a des gens au bazar, il y a d'autres femmes ou d'autres filles dans Zéla, bazar pour nous l'ingater. Vous faites qu'il y ait qu'un verrier, à comme la difficulté au tic, à Martin Fayoul. Eliane a quoi comme on a Moïse n'a montré sous sauté. Donc Eliane sa besoin est que Moïse, si on propose à Eliane qu'elle a vrai besoin, elle vous dira qu'elle a besoin d'être la femme de Moïse Mbi. Ce que je vous dis, je pèse bien mes mots, nous sommes dimanche. En regardant des en suivant des émissions d'Eliane, il y a autant là-bas, propos à Eliane, tant que dans la TV, vous sentez que vous allez ressentir l'amour qu'elle a et la jalousie en même temps. Elle a besoin de Moïse Mbi et elle est aussi jalouse. Elle ne veut pas perdre Moïse Mbi. Elle a besoin d'être la femme de Moïse Mbi. C'est n'est pas ça naïe. Mais ce baron la règle à 4 fois, 3 fois, 5 fois. On a pour ça baba négue. Ce pour ça naïe. Dans la ligue à le roi a bébé si bon ça naïe. A balanga nanko. C'est la besoin de Liane Bafeno. Ou bien elle a besoin de Moïse Mbi carrière si là pour à mon ambouise na boka mouton souté. C'est ça sa vraie besoin. On a pour ça mon souté. On a pour ça mon côté. Là je vous dis sincèrement, je pèse bien mon mot. Eliane a son pour ça mon côté. Parce que si elle avait besoin d'argent, je pense que Moïse a de l'argent, Moïse a dans la relation, les preuves dans le clip, il y avait boss Eric Mandal dans le clip, il y a des dames d'Achou, il y a des gens qui ont fait ça, ils sont prêts à faire 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 ça, ils sont prêts à le faire. Et je pense qu'il va proposer ça, comment on a le niveau, mais Eliane, ce n'est pas sa vraie besoin, elle a besoin de Moïse Mbi, papa Bananaye. Vous voyez pas qu'il m'a chanté, vous voyez pas qu'il y a même des paroles après, parce que après le clip vidéo, on était parti chez lui, on avait fait something like. Ah! Vraiment, ça fait trop mal. Ça fait trop mal pour dire quoi? Là maintenant, je vais revenir à la femme congolaise. Quand vous dites que la femme congolaise à sa femme forte, la femme congolaise mérite d'être respectée, la femme congolaise mérite, mais la femme congolaise, laisse-moi vous dire,
La femme congolaise, parfois, des fois, vous êtes de méchantes. La femme congolaise vit la jalousie, vit la haine. Vous comprenez la force pour l'émoter. L'amour, c'est comme ça. Dans l'amour, il y a la séparation. Dans l'amour, il y a tout. Je peux te dire 1000 fois je t'aime pendant la journée. Je peux t'adorer. Je peux faire tout pour toi. Mais ce que vous voulez, c'est les gens respectent, le blanc respecte cela. Dans une relation, il y a aussi la séparation. Pourquoi ma congolaise bazalaka trop facilitaire au kamwana bango baka lokola Eliane. Quand tu trouves un homme riche, tu penses que chez la personne tu peux changer ta vie. Chez la personne au commissaire banque nayo. Tu vois comme si de perdre un homme comme Moïse Mbiye, c'est comme si ta vie est comme une souk. Non ma sœur. Bangi balbaka life goes on. Stand up and let go. Life goes on. La vie continue. Life goes on. Life goes on. Parce que je vis la jalousie aujourd'hui. Tu peux faire en sorte que M. Moïse Mbiye se retrouve en prison de Makala, va qu'il ait 15 ans, 16 ans, 10 ans. Après, ça ne va rien changer. Parce que je vous dis ça parce que j'ai dans une expérience moroboué. Où on a vécu, où on a vivre. Ah, on a frère ici. J'ai un ami à moi. Au moment où je vous parle, il est en prison. Pourquoi? On a raconté l'histoire un peu rapidement, dans une minute. Moi, ça n'a pas à nos vivres, on a moi, c'est assez d'Africain. Comme on fout la pêtre, on a un serre, moi, congolais, on a fout la pêtre, ma chambre, ma cottage, on a réalité, on a un peu comme ça. Et si on fout là, comme on fout là, on a une fille, moi, congolaise, on a allé manger, elle avait 18 ans. T'as ramassé à 18 ans, nous autres, normal, t'as ramassé à beaucoup. A comment qu'on vivre sous la fille wana? A l'ingi fille wana, pendant qu'elle vive avec la fille en question, a sa qui pena moi si naïe à Sud-Africain. Moi si naïe à Sud-Africain. Et le jour où moi si naïe à la palin, la Congolaise a moni, master na nga nana Sud-Africain. A dit, oh, mais Dieu a sa moubali, a la moi si naïe, boué. Tant moi si naïe, Congolaise wana y pa master nga, a dit, ah. Mais yo, comment on vivre en anga aux appena moi si yabi? Ah, t'es au ma pour moi si nanga, copine Nazarane, mais nebera kenda yi wewe, ben, bika wa Congo, Sud-Africaine, banini, mais azongi, banini. La fille en question, na se a kanda, fallait akabwane kana mouninga à l'aise, a ke kouim sa maman na bango. Ou maman, jeune wana kouta nanda, oh yo, a violanga yi, a koumako violenga, tala boue, tango bimara violanga boue. Ba ke kou fongo la dossier, tu benga a la caisse. Une Congolaise, a ke fongo la ndekoune Congolais caisse, ah. Que asa mineur j'ai moi congolais viola yé boué. Au moment où je vous parle, Ndekonanga wana, c'est un frère à moi, ma kateli 15 ans de prison depuis année passée. Asa na 15 ans de prison. Imaginez comment le cœur des filles congolaises ba comment na niveau mieux que la Ndekonanga bango. Na kouté la fille na tourné c'est pourquoi o kangisa o alinga sakane la kibo moi sinanga. Ma sœur, pourquoi Kanda et Koko Mimawati n'a niveau qu'on détruit la vie d'une personne? Bien sûr, il y a des erreurs, nous sommes des êtres humains. Lorsque tu promets à une fille la vie heureuse, lorsque tu promets à une fille le mariage, lorsque tu promets à une fille, moi si à Fongola Mato, il peut y avoir un peu de temps à la mobile. Il y a un peu de temps à la mobile. Il y a un danger, à vivre dans la jeune. Ce n'est pas seulement le sexe, c'est aussi la façon de parler. Un bon parleur a attrapé même la femme, la fille du président, juste la façon de parler. C'est autant comme quoi, si je suis un bon niveau, je suis un bon niveau. Parce que les femmes ne voient pas loin. La vie continue après la séparation. Dieu aussi peut organiser une personne qui est plus mieux que la personne qui va faire en. Aujourd'hui, mon ami, on a 15 ans de prison. Juste parce qu'une Congolaise n'a qu'à à Zoua, à Salaké, à se retrouver dans le niveau. Revenons maintenant au dossier Eliane Bafeno. Dans tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est la jalousie. Et ça, grâce à Zoua, on est à Eliane. À quoi mon amadoussou, il y a Moïse Mbiye. Azana Kanda, elle a tellement besoin de Moïse Mbiye, elle a tellement envie de vivre avec Moïse Mbiye. À mon asiko, et combien possible? La seule moyen pour elle, c'est Moïse Mbiye doit se retrouver en prison. Il doit payer ce qu'elle a fait. Ce qu'il a fait, pardon, dans un autre. À comment reggae trois fois, à comment ça, machin. Moi, je dirais à la justice congolaise, je pense que cette vidéo, bateau bateau talango,
bah, comprendre l'on a zolo. Si ça arrive aujourd'hui, que Hélène m'a fait nous a gagné Moïse Mbié, que Moïse a côté présent, je veux dire une chose, et l'eau que bon si Moïse Mbié, la première des choses, et ça va fausse promesse, on va n'est coupé ça, et pas. Il y a une bafino, à Kobalaye, à Kosale Boye, deuxième Boye, Boye Boye, elle sera la mère de ses enfants. Et puis deuxièmement, il y a erreur, il y a Moïse Mbié, il y a Moko. Il y a un moment dans la vie, tant juste standard, standing la vie, ton succès, ton mongo, ton nini, faut savoir aussi à être responsable. Quand je parle de la responsabilité, je ne parle pas seulement de juger une église. Au moins, il y a un foyer, une père de la famille, à penser à quatre différents, il y a un single. Single. Parce que ce que Moïse a balaki, toi qui est marié, makambo lingo salamate, parce que ta femme peut aussi t'épargner dans plusieurs dangers. Bato babala, kazu a boisi wana et bix sa bonne baliwa. Ma bingu na 18h obima. Ma sa to remela, ma swas na bi obima to ke luka basi mususu. Les faux vendi bon balinga bima ku na basala ki la kufi yobiki. La femme peut être si peut aussi être bonheur ya vie na yo. Donc pour moi, ce que je peux tirer comme conseil, tant que nous sommes comme nous élevé, la seule chose de faire, c'est faut vraiment chercher à se marier. Nous avons besoin de nous marier. Aujourd'hui, carrière nayo est commis à danger. Pourquoi? Parce que les gens comprennent que vous êtes single. Vous êtes single en anglais. Single, y'a moi. Vous êtes single. 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 Vous êtes célibataire. Vous êtes célibataire. Toutes les filles vous approchent avec des intentions. Ou à l'ingo balayé, ou à l'imposa liambo, ou à l'imposa boui. Parce que vous êtes seul. Pourquoi? Ozo balaté. C'est encore une question que je vous pose, Moïse Mbié. Je dis bien, n'importe quoi, fin dans ma commentaire, mais moi je parle que selon moi, selon mes analyses personnelles, tant on a étudié dossier, on a comprendre moi 40%, moi 60% de dossier. Ils ont casoué, on est sur la liane, ah mais maman ils ont bien été dans mon niveau. Mais moi je vous demanderai, il y a une bafino. Si vraiment pour ça n'ayo, Isali, la femme congolaise, Azala, à l'honneur, n'engolobi au sauvé bazam, mitalana no yomoko. Et l'eau qu'on ne sait que coûte un Moïse Mbié. Est-ce que au salaire qui honore, il y a la femme congolaise. Quand on kenda qui ko ta la pasteur, il y a copain na yo comme ko bimana, comme na niveau atozé na salaire avortement. Est-ce que tu avais fait l'honneur de la femme congolaise? Point d'interrogation. Quand tu demandais 10 000 $ dans une chanson, selon toi, aux qui dédié pa na yo, tu avais fait l'honneur de la femme congolaise? Point d'interrogation. Quand tu sortais avec un monsieur comme Moïse Mbié, toi tu étais mineur à 17 ans, tu avais fait l'honneur de tes parents ou de la femme congolaise? Question mark. Quand tu veux sauver des âmes, comme tu dis, est-ce que aux autres canisapé na mutu na yo, kuta mutu na justice, isa d'abord malamouté, est-ce que tu fais l'honneur de la femme congolaise? Question mark. Pose-toi des questions avant au continuer de ser Moïse Mbié. Est-ce que tu sais que tu fais si aujourd'hui et ça, c'est que tu as gagné le procès. Tu as gagné le procès, tu as 10 ans, 20 ans. Et si tu as gagné le procès, au salon, il y a la femme congolaise. Point d'interrogation. Oui, bien, tu as mérité et tout le monde. Tu as mérité prison pour que et ça va. Vital Kamerhe, c'est normal. Il a volé l'argent du pays, bien sûr. Et j'approduis pas aussi l'acte de Moïse Mbié. Pour que tu as condamné le pays. Il y a des autres aujourd'hui, mais il y a des gens qui sont en train de se faire. On peut comprendre, on a éclairci mon batoumouké. Ils ont battu les bâtiments, ils ont une possession, ils ont la balade. Quand on a l'argent, on pense qu'on est prêt à tout faire dans la vie. Quand on a l'argent, on prend l'autorité de manipuler des petites filles, ils ont de l'autre côté. Quand on a l'argent, on pense qu'on est maître de tout, on est suprême. Aux gens dans mon là n'importe quelle fille, aux gens dans mon moi c'est moroté, alors ça n'engue loco. Et Moïse Mbié ne pensait pas qu'il y a à remettre dans ma niveau ma difficulté, à sous-estimer peut-être capacité, un position à Eliane. Elle pense, il avait jamais pensé à cela qu'un jour Eliane remettrait dans niveau, parce qu'elle savait qu'Eliane n'était pas dans une famille riche. Eliane a affirmé normal, n'a aucun gars les cartiques, mais regardez,
Donc pour dire quoi, il y a un moment dans la vie, malgré votre argent, malgré votre position, il faut aussi savoir mener la vie de trois tirs. Parce que si Mozimbi a une vie à trois tirs, Makamwengo comment peut karaté. Elle n'allait jamais si réellement, je dis bien si réellement, elle avait couché avec Hélène Bafena. Si réellement, elle savait qu'Hélène Bafena Azala qui copine. Il y a Christian, Moïse Mbia et Nakuma. Soit qui sérieux. Elle n'a pas un point haut comme il a monté noté. C'est la honte dans les églises. Maman, il y a un orchestre comme ça dans les églises. Dans ces mois, le président d'orchestre Aliaka, chef d'orchestre Pekuna Aliaka. Président Mondra, il y a un ami, il y a un chef, il y a un bon appétit pour tout le monde. C'est ce qui se passe dans ce dossier d'Eliane entre Christian, Eliane et Moïse Mbia. Merci beaucoup si vous avez suivi cette émission. Je dis bien, je répète, ce sont mes analyses personnelles. Vos commentaires, vos fingers, la ligne, ça va bien. Ou puis, c'est Pilnango. Merci beaucoup. Déjà, n'oubliez pas de vous abonner. Na rouge et ça, on a commis s'abonner. Na anglais, subscribe. Si j'avais l'usé, des gens, on a propos nanga pour aujourd'hui. Je m'excuse, je demande pardon. Si vous avez aimé cette émission, un grand merci à vous. Je vous aime bien. Nous sommes en mode confinement seulement à la maison. On fait nos efforts.